observez tout autour de vous et vous verrez que partout. Bizarre au monde et bizarre au devant. À droite, à gauche, en arrière, en avant. Mesdames et messieurs, voici devant vous le véhicule blindé Valentine. Valentine, voici un nom qui ne semble pas être destiné à un char d'assaut. L'explication est fort simple. En effet, le dossier du projet fut proposé au ministère de la guerre britannique en 1938, le jour de la Saint-Valentin. Et donc, pour baptiser l'engin, on décida donc naturellement d'utiliser le nom de Valentine. Cet engin est d'ailleurs le remplaçant. Nous donne un exemple de ce que furent les chars alliés du début de la guerre et ceux de la fin. C'est tout particulièrement le cas ici, puisque nous avons ici sous les yeux une des premières versions du Valentine et de l'autre côté, la dernière version du char. Les chars évoluent vite. Deux fois plus lourd que le Valentine, le Sherman atteint 32 tonnes. Sa plus grande taille lui permet de loger un équipage plus conséquent. Nous sommes maintenant ici à 3 hommes en tourelle et 2 hommes dans la caisse. Cette plus grande taille et cette plus grande répartition de l'équipage permet une disponibilité des tâches supérieure, rendant l'engin beaucoup plus efficace. Le canon est lui aussi plus puissant, puisque on avait sur le Sherman du début de production 75 mm. 75 qui sera remplacé à la fin de la guerre, comme vous le voyez sur le Sherman devant vos yeux, par un 76 mm qui était capable d'inquiéter le meilleur des chars allemands, certes à une portée plutôt limitée. Le Sherman voit le jour fin 1940. Il n'est alors qu'un projet et il se fait nommer alors le M4. Le M4, c'est ainsi l'engin dont on parle. Et ce seront eux qui nommeront l'engin Sherman, du nom de l'un des généraux qui prit part à la guerre de sécession américaine dans les années 1870.
En 1942, que lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, c'est un char puissant. Il fait jeu égal à des les plus puissants panzers de l'époque. Cependant, rapidement, dès 1943, il se retrouve confronté à de nouveaux panzers. Le Tigre, puis le Panthère, le surclasse à tous les points de vue. Cependant, ces fauves ne sont encore disponibles alors qu'engagent 750 chars contre 230 Allemands. Mais ces derniers, bien retranchés, provoquent de fortes pertes du côté des Alliés. Cependant, malgré une forte résistance, l'objectif de l'opération sera à moitié rempli, puisque Caen, la base de départ des Alliés, sera définitivement libérée. Cependant, cette opération ne réussira pas. Il n'a pas connu la mort. Le Valentine, lui, quelle que soit sa version, ne fut pas employé en Normandie. Et c'est finalement le Panzer II, qui est devant vous, qui fut utilisé en Normandie. Messieurs, l'équipe du musée des blindés de Saumur vous remercie pour votre attention. Thank you.